Hey, salut à tous les amis, c'est Freddy et on se retrouve pour pas un nouvel épisode mais une nouvelle aventure ensemble sur Crysis 2. Yes, au début je me l'étais ajusté pour jouer tout seul, mais je vous ai promis que je vous ferai le jeu donc on va se le faire ensemble. Donc vous allez voir que là j'ai 0 seconde, mais en fait c'est un mensonge, hein. J'ai déjà joué au jeu. En fait j'avais même filmé les deux premiers épisodes, hein, je vais être honnête avec vous, c'est juste que niveau qualité était pas top, hein. Déjà on m'entendait pas beaucoup à cause de la musique qui me défonçait les tympans derrière et que je pensais qu'elle était assez basse et pourtant j'avais fait des tests sonores et tout ça, mais c'est bizarre le jeu, il en fait casse la tête au niveau du son, bon c'est pas grave. Et en plus de ça j'étais tellement concentré à essayer de découvrir les touches et tout ça, même encore là aujourd'hui je pense que je suis pas encore 100% à fond sur les touches car j'ai pas découvert à 100% le jeu, donc on va voir ce que ça donne. Donc du coup on va se faire une nouvelle campagne. Je vais pas prendre en recrue parce que sinon là ça serait trop simple. Je vais pas prendre en vétéran parce que là ça serait trop compliqué. Donc je vais prendre en soldat. Alors ceux qui me diront oh tapette tu prends soldat, j'ai envie de dire faut pas parler. Et par contre je vais désolé mais je coupe la cinématique tout simplement pour des raisons de droit d'auteur. Bon certes je parle pas pendant les cinématiques. Et ça, ça peut vous embêter. Certes je parle sans m'arrêter depuis le début. Mais bon. Donc voilà. Nous arrivons dans un sous-marin. C'est le calme plat, oui. Donc bien sûr, les cinématiques que je vous passe, je vous les raconterai. Donc là, on va se faire d'abord le début. Et une fois qu'on sera bien dans le début, je vous raconterai tout, hein, parce que sinon... Donc là, je suis un peu bourré. Allez, après, réveille-toi. On va croire que je suis alcoolique, parce que je me rends compte que dans Amnesia, je parle de la gnôle, et là, je dis que je suis un peu bourré. Non, je suis fatigué, là. Alcatraz est pas très loquace ce matin. Contrairement à ce qu'on dit, la tequila, c'est dangereux pour la santé. Hein, Al ? Fais oui de la tête, ça suffira. Il émerge. Tiens, je te fais oui de la tête. Bon, bref. C'est du délire. Je vais vous donner mal au cœur si je continue. Pour une simple évasion, y a de la foire au passé. Ah oui, lui, il se prend pour un... acteur ou de théâtre, ou je ne sais pas, un comédien, voilà, cherchez le mot. Oui d'ailleurs vous avez peut-être pu voir, je sais pas, je crois qu'il l'affiche sur le... début de la vidéo. L'heure à laquelle je joue, ou à laquelle j'ai créé le profil. Oui, nous sommes le 30 juin, et il est minuit 5. Bon apparemment par rapport au premier, les aliens sont totalement connus des gens, et c'est tout à fait normal. Et là, ça fait beau. Bon, je pense pas que vous l'aviez... je pense que vous l'avez vu ça. Alors attendez, on va juste faire un truc très rapidement. Son. Tac, voilà. Si ça continue, je vais devoir appliquer aucun son quoi. Retour. Reprendre partie. Ouais donc j'espère qu'on m'entend bien parce que personnellement ça me défonce pas mal les oreilles. Ah ça fait mal. Oui, je sais que c'est ça qu'au pire. Donc en gros, le sous-marin, il coule. Je suis là, hein. D'accord. Donc ouais, pour l'instant, je n'ai pas la merveilleuse combinaison qui ferait rêver tout le monde de l'avoir. La combinaison qui te permet de draguer les filles et d'avoir l'air d'un sadomasochiste qui se balade en pleine rue. Personnellement, quand je vois la combinaison, ça me rappelle le Batman... Attendez, c'est lequel déjà? C'est... Je crois que c'est celui avec McFreeze ou quelque chose comme ça. Enfin... Freezer. Mais je suis coincé par quoi, là? Ah d'accord, j'étais coincé par le périscope que je ne voyais pas. Qui était pas du tout dans ma hitbox. Pousse-toi, toi. Non? Ah, c'est là. J'ai de la respiration quand même, hein. Donc oui, ça me rappelle ce Batman-là. C'est le Batman, c'est le seul Batman où on voit des tétons sur l'armure. Et c'est le seul Batman où, si vous regardez bien, que quand Batman enfile sa combinaison, le premier plan qu'on a, c'est l'entrejambe de George Clooney.
Et oui, il y a une raison à cela, hein. Le réalisateur était homosexuel. Ou est homosexuel, je ne sais pas s'il est encore de ce monde. Alcatraz a été le dernier à sortir. Merde, qu'est-ce qui leur est arrivé, c'est pas vrai? C'est le gros bordel. On dirait que Miss Liberté en a pris plein la gueule. Ouais, elle m'a l'air aussi bien amochée. La Statue de la Liberté, si je me trompe pas, c'est un cadeau fait des Français aux Américains, non? C'est pas en dessous qu'il faut regarder ça au-dessus. Donc voilà, les aliens sont de retour, sauf que cette fois-ci, ils ne sont pas en bleu, ils sont en rouge. Ça fait plus méchant. Le bleu, ça faisait trop gentil, ça faisait « Ouais, salut, je viens, tout ça va, comment tu vas bien ?»« En fait, non, je suis là pour te tuer !» Alors que le rouge, tu vois, ça fait « Bot Berserker activé !» Ouais, je suis en forme, il est minuit, pourtant je suis complètement en forme. Donc là, on a un héros qui vient nous sauver. Donc là je laisse parce que c'est pas vraiment une cinématique, c'est fait sur le jeu, sur le moteur du jeu. Car oui, le moteur du jeu est quand même très très beau. Hein, faut... Ne vous concentrez pas sur sa paire de fesses, parce que c'est vrai qu'elle est protubérante. Ni sur autre chose. Non mais disons que l'armure est quand même particulièrement designée, je sais pas comment ils ont fait ça, mais... Il y a certaines parties qui ressortent plus que d'autres. Hein. Mis à part les muscles, hein, bien entendu, mais... Après, ça dépend de qui regarde la vidéo, hein, c'est votre choix, hein, vous avez le droit d'aimer. Donc ça, par contre, je passe. En plus, c'est pas bien important, ils t'apprennent ce que fait l'armure. Ils t'apprennent, ils vous apprennent, vous êtes plusieurs à me regarder. Non, aujourd'hui, c'est toi qui me regardes. Nous sommes que tous les deux. Tu es en direct avec Freddy. En direct légèrement différé puisque j'enregistre cette vidéo avant que tu la vois. Oui, Freddy part en délire total, ce n'est pas grave. Alors moi personnellement je reste toujours sur le cul de comment dire de la combinaison. Enfin pas de la combinaison, des graphismes, voilà, cherchez le mot. Si vous regardez le mur et tout ça. Je sais en plus à peu près comment c'est fait derrière au niveau logiciel, et je trouve que de nos jours c'est juste énorme. Mes amis les cafards. C'est qui ce mec habillé en blanc? Suis-je habillé en blanc moi aussi? Alcatraz, je peux rien de plus. Bon, je vous la laisse celle-là parce que voilà. Avec les moyens du bord. Tu es ma dernière chance. La dernière de Gould. La dernière pour nous tous. Je suis foutu. Je suis plus qu'un mort en sursis. C'est juste pour comprendre qui est l'homme par terre. Mais toi, tu peux aller au bout. Ils le font. Ils le font. Bienvenue dans le futur. Bienvenue dans la guerre. Bienvenue dans la guerre. Je crois que ça se passe en 2030, un truc dans le genre. Ah oui. Donc apparemment il y aura un virus qui se serait répandu sur la planète, on sait pas trop qui. Comme ça. La symbiose. Je dois rompre le lien. Je te donne ma combi. Je te donne ma vie. Promets-moi. Trouve Gould. C'est mon dernier espoir. Tu es mon dernier espoir. Avant on m'appelait prophète. Souviens-toi de moi. Et donc ce mec là. Ce mec-là, là, qui est par terre et qui est mort. Enfin, j'espère qu'il est mort, parce que sinon... Sinon, on serait dans la mouise. Ce mec-là, je sais pas si vous vous rappelez... Ah oui, quoique vous l'avez peut-être pas vu vous dans mes vidéos. Mais on en parle à la fin, où il dit « on va chercher Prophète ». Et en fait, ce mec-là, c'est un gros barge qui est sorti d'un vaisseau alien, parce qu'il s'était fait bouffer par un alien. Et enfin, c'est un truc de malade, quoi. C'est... Il est arrivé, il a fait wop hop hop hop. Oh. C'est V pour le coup. Ça pourrait se baisser et X.
C'est pas top le coup de poing comme ça. Je le changeais vite fait moi. Je me souviens pas avoir fait ça. Tac 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 tac. C'est dans quoi? Sous-titre non retour. Commande. Réglons les commandes avec Freddy. Ça va être passionnant. Alors combat. Tiens, tac tac, changer de mode de tir, on s'en fout. Grenade, on s'en fout pour l'instant. Mêlée. On va pas mettre V, on va mettre T. Voilà. Ok. Parce que je sais à quoi sert E. Reprendre partie. Et je peux pas me servir de E ni de A pour l'instant. Bon, bah, c'est pas grave. Donc oui, Prophète, en fait, donc à la fin du jeu, il prend un vaisseau comme ça et il fonce vers l'île où il y a les aliens. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait cet abruti? Il va se tuer, quoi. Bon, alors là, elle est en train de faire des trucs. On va laisser les sous-titres. On n'a pas le temps de l'écouter, hein. On est là pour jouer. Hein. Non, mais en gros, elle parle un petit peu de tout ça. Et donc oui, Prophète en fait, Ouh. Mais attendez, on peut marcher là. Bon, on va arrêter de faire des bêtises. Donc oui, Prophète. Donc il a pris un vaisseau, comme ça il est retourné vers le vaisseau mère. Et puis le commandant de la marine a dit, on s'en fiche qu'il soit là-bas, on balance les bombes nucléaires. Il balance les bombes nucléaires avec Prophète qui est dans le vaisseau, bien entendu. Et contrairement à ce qu'on pense... Il s'en sort. Écoute-moi. Je sais pas si tu peux m'entendre, mais ils viennent te chercher. Il faut que tu trouves les Marines. Ah, je me dis, c'est moi qui tire du cul de feu, du cul de feu, du coup de feu ou... Donc là, c'est un petit tuto de comment est-ce qu'on découvre les commandes de ça. Donc là, maintenant que j'y arrive un petit peu mieux, que je connais un petit peu mieux les commandes, je vais pouvoir marcher. Donc le problème c'est qu'au début, votre armure elle ne fait rien. Contrairement au premier où vous arrivez, vous savez déjà tout faire. Oula, je sais pas pourquoi j'ai un coup de rame. J'en avais pas avant. Donc oui, je n'ai pas mis des textures HD, je suis désolé, hein, mais c'est que je n'ai pas pu les télécharger. Et en plus, ça risquerait de faire ramer en utilisant Fraps. Donc... Voilà, donc en gros, là on zoom, là il y a des ennemis, là il y a des ennemis, là il y a du stock d'armes, là il y a du stock d'armes, là il y a des bidons qui pètent. Donc il y a le sel qui est à ma recherche. Ok. Allez hop, on entre dans l'action. Trouvez des munitions pour votre pistolet. Ah oui d'accord, on n'a pas de munitions. Oula, mais pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que ça rame? Alors, je me suis ravitaillé en munitions. Je le rechargeais et je me re-ravitaillais. Parce que c'est un truc un peu dommage d'ailleurs dans le jeu. Bon, j'espère qu'il va pas trop ramer parce que sinon, bah, je ferai une petite pause pour essayer de déramer. Et alors, un des problèmes du jeu, c'est qu'il fonctionne aussi en checkpoint. Donc, je verrai quand est-ce que je m'arrêterai et tout ça. Et ouais, il fonctionne en checkpoint. Bon, on y va. Donc, le souci, c'est que je suis absolument pas discret, moi, donc... On va y aller à la... au moins le game. Voilà. On l'a défoncé lui. Il a même pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Donc il sait pas où je suis, c'est déjà ça. Ah si, il sait où je suis. Il est encore en vie? Oui, il est encore en vie. Je recharge? Oui, bah, je vais te tuer. Allez, hop, on y va. Alors ça, c'était super mal joué. Vas-y. Ouais. Alors... Vous avez le droit de dire hein, que je joue mal, hein. je ne suis pas parfait. Hein. J'aime beaucoup parce qu'en fait la combinaison, bon il y a toujours le menu, hein, pour l'instant je peux rien faire. Mais surtout elle s'active vraiment toute seule en fait. C'est-à-dire que s'il y a besoin de la force, apparemment ça s'active tout seul. S'il y a besoin de, voilà par exemple si je veux sauter plus haut, bah ça s'active tout seul. Contrairement au premier où il fallait faire sauter.
J'ai ouvert le viseur au passage. On ouvre ça. Et là, on découvre une de mes commandes préférées. Bon, baigne-toi. Et hop. Alors le problème là c'est qu'on n'a pas de silencieux sur l'arme. Et pareil il faut les débloquer un peu comme dans les. Bah, un peu comme dans le premier, on avait directement le silencieux, ce qui était vachement bien quand on était en. J'ai quand même mis une balle dans la tête en début. On va attendre là. Je suis sûr qu'il va arriver. Il est là, il est là. Je suis dans le caca. Pour pas dire autre chose. Ah, ça ramasse tout seul, oui. Bon, j'aurais peut-être dû identifier les ennemis avant de commencer à se la jouer comme ça, là, Splinter Cell, allez hop, je te bute d'une balle dans la tête qui marche pas en fait. C'est quoi ce truc? Des boules de fer. Attends, je vais tester un truc. Ça marche pas, bon. Ou alors j'ai pas encore la force. Ah, faut maintenir enfoncé je pense. D'accord, ouais. Pour lancer les grenouilles ça va être moins facile. Hein. Munition max, allez hop. Ah mais on est... Il y a des vieux canons en fait, c'est pour ça qu'il y a des espèces de boulets en fait, c'était des... Bah c'était des boulets d'ailleurs. Ouais j'étais un boulet. Pardon, légère coupure. Voilà. Là d'accord on peut les verrouiller. C'est qu'on y arrive ici? Je pense pas, non. Il ne me voit pas. Il me voit. Il me voit. Il me voit. Il me voit plus. Je l'ai eu. Il y en a là-bas. Ah mince, je crois qu'ils ont activé l'alarme et c'est pas bon ça. Parce qu'il faut que je sorte par là-bas et ça c'est pas bon du tout. Tac 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 tac. Ça fait combien de temps qu'on tourne là? Ou wow, réflexe. On va se mettre comme ça. Ça va faire bien 20 minutes, je crois que je tourne facile. Non, pas 20 minutes. 17 minutes, je crois. Oh, ça c'était... C'était simple. Il bouge pas les gars, c'est... Peut-être dû mettre plus en fait, comme difficulté. Il bouge pas, du coup je leur fais des headshots avec ce machin. Il tape sa, sa munition avant. Les mecs, je les entasse. Ah, je vois pas m'ouvrir. Ok. Alors, aujourd'hui, on entasse les morts. Une vidéo par Freddy.
Bon, il y en a encore qui veulent essayer de s'affronter contre moi là. Je suis Freddy, maître de la nuit. Et je tire dans les barils pour faire tout péter. Et je me suis fait repérer. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ah mais il est là, je suis bête moi. Viens là. Petit petit petit. Oula, j'ai été long à la détente. Freddy fatigue. Mon oreille. Celui-là j'ai eu plus de mal. Je l'ai vu dans mon radar lui. Il y en a un par là. Il est où? Ah ben c'est là. Ah trop bien, je peux conduire, ouais. Ouais, tiens, 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 tu as cru. Ouais, moi aussi je joue à l'arrache, allez hop. Oula, oui, je joue un peu trop à l'arrache. On va éviter de jouer trop à l'arrache. Parce que du coup, là, j'ai plus attiré l'attention sur moi qu'autre chose. Voilà. Maintenant, on va essayer de les tuer gentiment. Enfin, vu la façon dont il a volé l'autre. Désolé, hein. Pardon aux familles, victimes, tout ça. Oh, il y a une grenade à 20 mètres. Bon, ça va, en fait, elle est à 20 mètres, je suis bête, moi. Il est où, lui? Je vois pas dans mon radar. Bon. Ah bah t'es là toi. J'ai activé le camouflage, je vous avouerai que c'était pas voulu. Eh, t'avais une drôle de combi toi, attends, t'as une arme ou quoi? Une arme pour moi? Non, t'as pas d'arme. Alors, vous avez le droit là de dire que je joue complètement mal, c'est que je joue complètement à l'arrache. Alors, toi, on te bute, s'il te plaît. Y'en a un derrière moi. Ah d'accord, c'était par là qu'il fallait. Alors si je vis, si vous avez l'impression que je vise l'entrejambe, non, ce n'est pas pour faire mal, c'est juste que c'est la partie la plus, pas la plus grosse, mais disons qu'en fait le ventre et l'entrejambe font partie de ce qu'il y a de plus simple à viser. Ah mais il est sur le toit lui. Je peux pas zoomer. Hein. Vas-y, attends, je vais aller m'occuper de toi personnellement parce que tu me gaves. Voilà. Il y en a un autre là-bas. J'ai foutu le gros bordel quand même en piquant la caisse tout à l'heure. J'aurais peut-être pas dû. J'aime bien comment ils dansent quand tu leur tires dans les jambes. Vas-y, danse pour moi. Je t'ai pas dit de mourir, je t'ai dit de danser pour moi. Je crois que je les ai tous tués en fait. Ça, c'était pas bien. Une balle dans le dos, je déteste faire ça dans le jeu. Non, je rigole, c'est beaucoup plus fun. Non, j'aime bien quand l'ennemi est assez proche et que il y a l'attention. Ah oui, je me souviens. On a une combinaison de tarés qui est pas foutue de pirater un digicode. Donc elle nous trouve une combinaison, un itinéraire qui remplace le tout. Et d'ailleurs, du coup, je pense que c'est là où on va s'arrêter. C'est pas par là, c'est par là. Et donc, moi, je vais me poster devant l'endroit où je dois me poster. Et vous dire, donc, à la prochaine. Il n'y a rien de particulier, peut-être des choses dedans, je ne sais pas. Non, c'est fermé. Oula, ça fait mal au crâne. Ouais, non, donc, on va se poster là. Et donc, moi, je vais vous dire... A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Freddy.